Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la configuration RIP, donc la dernière séance. On a étudié le protocole de routage, et en particulier le protocole de routage dynamique RIP, donc le fonctionnement, c'est-à-dire on a étudié aussi les intervalles, qu'on appelle les timers, que utilise RIP, les mises à jour RIP, la fréquence de mise à jour, comment ils fonctionnent, les versions RIP, version 1, RIP, version 2, RIP, NG, IP, version 6, la différence. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut créer une topologie et configurer le protocole de routage RIP. Donc en général, on va utiliser RIP version 2. Alors, je vais vous montrer les versions. Et nous allons utiliser RIP version 2 ou IP version 4, tout simplement, puisque c'est lui qui est, il gère l'adressage VLSM, il gère ses IDR, il prend en charge les réseaux discontinus, d'accord ? Donc la limite qu'on a vue pour RIP version 1. Donc version 2, donc on va l'utiliser pour... On va créer cette topologie, donc je vais vous expliquer la topologie. Donc j'ai trois routeurs, donc une topologie simple. Donc les routeurs, donc je vais travailler dans GNS3. Donc vous pouvez travailler dans Pocket Tracer, donc c'est les mêmes commandes. J'aurai besoin de trois routeurs. D'accord. Donc R1, R2, R3. Ici, donc c'est l'adressage. Donc, le lien entre R1 et R2, je vais utiliser le réseau 192.168.12.0. Donc tout simplement 1.2, c'est tout simple. Donc je fais qui fait référence à le troisième octet de l'adresse, il fait référence du numéro des routeurs. Donc 1.2, tout simplement c'est 12. Et n'arrête pour simplifier l'adressage. De sorte, une fois qu'on va faire les shows, une fois que vous voyez une adresse, vous connaissez de l'adresse, il est issu de quel lien ou quel routeur, tout simplement. La même chose, le lien entre R2 et R3, 192.168.23, c'est-à-dire c'est un lien entre R2 et R3, troisième octet de 3. Pour les routeurs, donc, R1, il va toujours prendre l'interface .1. R2, il va prendre .2. Non, remarque. R2, les interfaces, le dernier octet de l'interface, il va avoir .2. Comme ça, une fois je vois aussi l'adresse IP, je peux dire de quel routeur il s'agit. Même si vous trouvez 192.168.12.2, donc 1, 2, c'est-à-dire c'est un lien entre R1 et R2, et 2, il s'agit du routeur R2, c'est l'adresse IP de R2. La même chose, ici, vous aurez 192.168.23.2, hein, le dernier octet, c'est-à-dire c'est une interface qui est liée à R2. Donc c'est une astuce pour simplifier. Donc ici, je vais créer trois interfaces loopback dans R1, et trois interfaces loopback dans R2. Donc loopback tout simplement, c'est loopback, c'est une interface de rebouclage. Rebouclage, donc le sens de rebouclage et le loopback en informatique, c'est le fait qu'une interface, donc il va une fois il reçoit un signal, il va le renvoyer à l'émetteur, sans modification, sans traitement. Et là, pourquoi on va utiliser loopback? Loopback en général, ils ont c'est pour simuler une connexion réseau. Donc simuler une connexion réseau, il va faire apparaître comme une interface, comme une connexion réelle. Peut-être considéré comme une connexion réelle. Normalement, pour avoir ces réseaux, je dois avoir trois interfaces physiques.
chaque interface il est lié à un switch et le switch il a des ordinateurs. Pour faire en général des tests sur comme ça, des réseaux, je n'aurai pas besoin de cartes physiques. Je vais créer seulement des cartes logiques. Ils seront considérés et vus pour le routeur comme ce sont des connexions, c'est-à-dire réelles. Donc c'est pour cela qu'on parle de simuler une connexion réseau. Donc ils ont un autre rôle. Parfois c'est pour influencer un protocole de routage. Ça, on va le voir inch'Allah une fois. On attaque le protocole OSPF. Par exemple, l'OSPF. Donc, il gère les loopbacks. Ça, on va pouvoir les configurer pour c'est-à-dire influencer le fonctionnement du protocole. Aussi l'UGP, il gère pour créer donc les default network. Ça on va parler par la suite. Maintenant on va utiliser le loopback tout simplement pour simuler une connexion ou la déconnexion qui ne sont pas réellement connectés à ce routeur, et on va les considérer ou les faire apparaître comme réels. Donc c'est une interface. L'avantage c'est que c'est une interface logique qui n'est, une fois il est créé, il sera automatiquement up. Donc une fois les loopbacks qui sont créés, ils seront toujours activés. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de mettre la commande no shutdown. Même chose ici, j'aurai besoin de 3 loopbacks. Sinon, si vous ne créez pas les loopbacks, vous devez avoir des cartes physiques réelles. Et chaque carte physique, il doit être lié à un réseau. Là, je veux seulement utiliser des adresses, c'est pas la peine d'alourdir la configuration. Je veux seulement faire un test de configuration pour le protocole. D'accord. Voilà, donc les loopbacks que je vais choisir, ils vont simuler des connexions réseau. C'est donc loopback 0 10.0.0.0/24 deuxième ligne 3 sous réseau. Donc, remarquez le troisième octet il change, hein, /24. De même ici j'ai 0 1 2, c'est à dire j'ai 3 sous réseau. Donc c'est comme si R1 il a 3 sous réseau directement liés. Donc imaginez-le, c'est comme ce sont des LAN avec 3 interfaces, et aussi ici c'est 3 interfaces connectées à des LAN. L'objectif c'est pour voir quelles sont les mises à jour. On va configurer les mises à jour dans RIP pour que R3 par exemple envoie les réseaux à R2, la même chose. R1 il va l'envoyer à R2, R2 il va envoyer ce qu'il a reçu de R3 à R1, et la même chose de ce qu'il a reçu de R1 à R3. Donc le principe de routage, on a dit ça. Voilà, donc c'est ça la topologie sur laquelle on va travailler. Dans GNS3, donc j'ai mon interface GNS3. Donc je vais prendre 3 routeurs. Donc R1, R2, R3. Et je vais pouvoir les connecter, les lier ensemble. Donc, phase 0 avec phase 0,0. Phase 0,1 avec phase 0,0. Et maintenant, nous allons, donc, je vais mettre les étiquettes ici pour que vous ayez l'œil sur l'adressage. Ici l'adresse, c'est 192.168.JD.1.2.0/24. Le réseau du lien entre R1 et R2. De même ici, ça va être 192.168.2.3, c'est-à-dire entre 23 entre le routeur 2 et le routeur 3.0/24.
et je vais créer les locaux bac. Loopback, avec la première sera 0. Il aura comme adresse 10/24. Le deuxième loopback 1. 10. Et look back 2, ça va être pour le réseau 10.2.0/24. Donc demain, dans R1, je vais faire copier pour ne pas créer. Donc trois loopbacks aussi, donc vous avez loopback 0, 1 et 2, sauf que ici les réseaux ils vont changer, donc 172, 16. Ce sont des étiquettes pour avoir devant nous tous les réseaux avec lequel on va travailler, tout simplement. Voilà. Et comme j'ai dit, toujours les... Donc j'ai affiché les... Ça, ce sont les interfaces. Donc R1, il aura toujours dernier octet .1, c'est-à-dire la partie machine. R2, il aura toujours .2. C'est-à-dire que les deux interfaces ici. Et R3, il aura .3. Comme ça, j'ai dit, une fois que vous voyez une adresse IP, vous devez donc identifier le routeur qui a cette adresse. Je vais démarrer les routeurs et on va commencer donc à configurer cette topologie. Donc on va commencer par l'adressage. Donc la première des choses, je vais configurer les adresses avec les loops. Maintenant je suis dans R1. R1 est la face 00 qui sera liée à R2, donc l'adresse IP doit être 192.168.12.1/24. Et il aura trois loops. Je vais commencer par l'interface physique. Donc en quelque case fast 00. IP adresse 192.168.12.1 255.255.255.0 et un nouveau shutdown
puisque c'est une interface physique. Maintenant, je vais créer les interfaces loopback. Donc, ça se crée exactement comme, comme si vous voulez accéder à une interface physique, sauf que maintenant, interface loopback, et vous donnez un numéro. Remarquez, si vous mettez point d'interrogation, remarquez, vous pouvez créer de 0 jusqu'à 2 milliards et quelques. On aura besoin de 3 seulement. Je vais 0. La première, ça va être appelée loopback 0. C'est une interface. Et remarquez, automatiquement, une fois créé, il me dit que change state to app. C'est-à-dire, autrement, j'ai pas mis no shutdown. Par défaut, une fois une interface loopback il est créé, c'est une interface logique, il sera activé automatiquement. Et je vais lui donner une adresse. IP adresse. Donc la première. Bon, ça s'assume des réseaux, mais normalement je dois mettre des adresses IP. D'accord, c'est une. Les loopbacks, ils seront considérés comme des interfaces. Ils doivent avoir des adresses IP et non des adresses réseau. Donc si vous voulez, je peux mettre aussi comme ce qu'on a fait dans les interfaces physiques. Par exemple, ce sont des loopbacks pour le réseau, pour le routeur R3. Je vais mettre le dernier, point 3, comme ça. Mais c'est plus cohérent. On reste dans la même logique du TEP. D'accord ? Donc, dernier, ça c'est l'adresse IP qui appartient au réseau 10.0.0.24. Donc, il aura 10.0.0.3. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du routeur. Donc, 1/24.255.255.255.0. Et je ne vais pas mettre no shutdown. C'est une interface loopback. Par défaut, il est no shutdown. La deuxième, donc, interface loop. Loopback numéro 1, donc ils doivent accepter, c'est pas la peine aussi de mettre toute la loopback, on peut mettre loop, tout simplement. Remarquez, par défaut. Donc IP adresse, la deuxième, ça sera 172.16.1.1 pour le deuxième carte. 255.255.255.0. Et la troisième interface loopback 2 IP adresse 172.16.2.1.255.255.255.255. C'est bon, maintenant c'est comme si R1 il a 4 interfaces réseau. Donc phase 0.0. Loopback 0, loopback 1, loopback 2, ils seront considérés et vus comme des interfaces qui sont liées à des réseaux rayés. Sauf que normalement, R1 n'a pas physiquement ces interfaces. Ce sont des interfaces virtuelles, ce sont des interfaces logiques, tout simplement. Donc, si je mets un show IP route dans R1, remarquez, il a considérer les loopbacks comme des cartes. Il va dire pour accéder au réseau 172.16.0/24, je vais utiliser mon interface loopback 0. Bon, la même chose, loopback 1 et loopback 2. Donc, puisque c'est l'iOS, c'est un iOS 15, donc les iOS 15 et supérieurs, pour chaque réseau directement connecté, ils vont mettre le lien du réseau, donc l'adresse IP qui est configurée pour la carte. C'est-à-dire loopback 0, il a l'adresse IP 172.16.0, il va mettre dans /32, c'est-à-dire une seule adresse. Donc pour simplifier l'accès, c'est-à-dire à chaque fois maintenant, il veut sortir le paquet de phase 0.1, et c'est que phase 0, hein, c'est son adresse, c'est 172.16.0.1. Dans les iOS version 12.4, donc on n'allait pas trouver Hadley L. Non, c'est pas grave, donc ça dépend de la version que vous avez.
Là, ils ont amélioré un petit peu les recherches dans la table de routage avec les iOS 15, avec les liens locaux. On va donc maintenant R2. Donc R2, il a seulement deux cartes réseau, il n'y a pas de loopback dedans, donc je n'aurai pas besoin de loopback. Donc interface fast 00, c'est l'interface qui est liée au routeur R1, c'est-à-dire il doit être dans 192.168.12. Donc IP 9 192.168.12, mais maintenant je suis dans R2, le dernier je vais le mettre en .2. 255.255.255.0. Et ici je dois mettre le shutdown, parce que c'est une interface physique. Deuxième, il a une deuxième interface Fast 1.0, interface Fast 1/0. Son adresse, IP adresse, c'est l'interface qui sera liée à R3. IP adresse 192.168.2.3.23, puisqu'il s'agit maintenant de routeur 2, je vais mettre aussi .2 à la fin. Donc, remarquez, c'est très pratique ici l'adressage. Donc je sais que 192.168.23.2, c'est l'interface réseau du R2 qui est lié au routeur R3 à partir de son adresse. 255.255.255.0.254, et aussi n'oubliez pas nos shutdowns. Et enfin l'adressage pour R3. Il a une interface physique phase 00, il aura trois interfaces logiques, loopback 0, loopback 1, loopback 2, sauf que les réseaux maintenant c'est différent. Je vais commencer par l'interface physique phase 00, IP address 192.168.23.3.255.255.255.255.0. Donc première interface loopback. Loopback 0, il aura IP adresse 10.00.3, puisque c'est une adresse IP de R3, 255.255.255.0. Interface loopback 1, la même chose, donc je vais utiliser les touches de direction. Je vais changer seulement le troisième octet. Donc 10, 0, 1 maintenant, moins 3. Et loopback 2, il aura l'adresse. Je vais changer le troisième octet, 10, 2. C'est bon, l'adressage, j'ai fini de configurer l'adressage. Remarquez maintenant chaque routeur, il aura les routes directement connectées. Remarquez, il a 4, puisqu'il a un réseau directement connecté dans le phase 00 et 3 réseaux directement connectés pour chacun dans l'interface logique. Donc, en général, il aura 4 réseaux directement connectés. De même, ici, celui-là, il a seulement deux réseaux directement connectés, puisqu'il a deux interfaces qui sont configurées et activées. Voilà, donc deux réseaux directement connectés. Bon, l'adressage correct. Je peux même, à partir par exemple de R1, donc lancer un ping pour voir est-ce que la connectivité marche. Donc je vais lancer un ping 192.168.12.1. Je suis maintenant ici. Je vais lancer un ping pour voir est-ce que j'ai la connectivité avec cette interface de R1, phase 00. Voilà, donc remarquez, ça marche. Donc point d'exclamation, c'est-à-dire qu'il marche. De même, je vais voir est-ce que
j'ai la connectivité avec 23.3, cette interface de R3. Donc je suis ici, je vais lancer Ping pour voir est-ce que j'ai la connectivité avec l'interface phase 00 de R3. Ah là, ça marche aussi sans problème. Donc je suis toujours dans R2, Ping 10.3. Ça marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est logique, R2 n'a aucune connaissance qu'il y a des réseaux derrière R3. Hein, pour lui, ce sont des réseaux distants. De même, R2, il ne voit pas les réseaux qui sont derrière R1. R2, il est configuré pour voir seulement l'interface qui est connectée à lui. La même chose, R3 n'a aucune connaissance qu'il y a un réseau 192, 168, 12, parce qu'il ne le voit pas. Et il n'a aussi aucune connaissance qu'il y a des réseaux dans R1. Donc ce sont des réseaux distants. Ça, c'est la logique du routage. Une fois que vous finissez votre adressage, les adresses sont correctes, les interfaces sont aptes, c'est-à-dire activées, le routeur, il n'apprend par défaut que les réseaux qui lui sont directement connectés. Apprentissage par défaut, automatique. Par contre, les réseaux distants, on a dit, il y a deux manières. Ou bien vous informez votre routeur des routes distantes, ou bien par routage statique, ou bien par routage dynamique. Donc le routage statique, on l'a déjà fait le chapitre précédent. Maintenant, c'est le routage dynamique. C'est un programme, le protocole. Hein, le protocole, on a dit, il a une partie de les structures de données, il a une partie pour le contrôle, les messages de contrôle, et une partie pour l'algorithme. Maintenant, ce programme, c'est lui qui va. Le programme, il va être installé, configuré les trois routeurs, et les routeurs, ils vont chacun, c'est-à-dire prendre les réseaux directement connectés et l'envoyer au voisin. Le voisin, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses informations et les informations qu'il a reçues d'un voisin pour l'envoyer à un autre voisin, ainsi de suite. À un moment donné, quand le réseau il est convergent, c'est-à-dire les tables de routage ils sont convergentes, vous allez trouver que tous les réseaux distants, tous les routeurs ils sont informés par tous les réseaux distants. Donc la règle que je vous ai déjà donnée, c'est que dans n'importe quelle topologie, essayez de compter combien de réseaux vous avez, et quand vous allez dans les routeurs, vous devez trouver le nombre de ces réseaux dans votre table de routage comme entrée. Sinon, votre table de routage n'est pas convergente. Donc, une table de routage, il est convergente, il est cohérente, il est complète, si et seulement si il contient tous les réseaux qui sont dans la topologie. Voilà, donc maintenant on va commencer par la configuration d'un protocole de routage. Le premier qu'on va voir, c'est le RIP. D'accord ? Donc j'ai commencé par R1. Donc en mode config, une configuration globale, la commande pour activer RIP, là, on peut installer normalement RIP, il est dans l'IOS, sauf qu'il faut activer son instance. Donc, par abus de langage, on dit installer le RIP ou le protocole. Là, normalement, on doit donc charger l'instance ou ouvrir l'instance. C'est comme si vous avez une application qui est installée dans votre ordinateur. Il est là, mais il n'est pas ouvert. Quand est-ce qu'il sera ouvert? Il sera comme un processus ou une instance quand vous l'ouvrez, c'est-à-dire vous double-cliquez sur l'exe ou bien vous ouvrez cette application. Une fois l'application il est ouverte, il a une présence dans la RAM, il sera considéré comme un processus, une instance. La même chose, le RIP il est déjà dans
qu'un protocole, il est déjà disponible dans ce routeur, mais il n'est pas vu comme une instance ou bien un processus. Pour le rendre processus, vous devez mettre cette commande, donc router rip. Donc une fois que je mets entrée, remarquez, j'ai un autre mode qui est config-router. Je suis dans le mode protocole de routage. Le mode routeur. Maintenant, l'instance RIP, il est activé. Il suffit maintenant de la configurer. Donc, pour pouvoir configurer, il y a la commande, il y a une commande qui s'appelle network. La commande est très importante de comprendre son fonctionnement. Et de la commande network, je vais la mettre ici. La commande network. D'ailleurs, cette commande, vous allez la voir aussi sur les autres protocoles que vous allez étudier. D'accord? L'OSPF, l'UGP. Donc, toujours il y a, une fois que vous activez l'instance du protocole, vous commencez par créer ou exécuter la commande network. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il fait. La commande network a deux fonctions. Donc, un, il va définir, il définit sur quel. Sur quelle interface le protocole de routage sera actif. Activé. Donc, on va mettre la commande network et après on va mettre un réseau. Ça veut dire, si je mets la commande network 10.0.0.0, c'est-à-dire quoi? La première fonction, c'est que dans ce routeur, là où vous configurez network 10.0.0, si ce routeur, il a plusieurs interfaces, et ces interfaces, ils appartiennent au réseau 10, imaginez cette interface, par exemple, 10.0.0.1, cette interface 10.0.1.1, cette interface 10.0.2.1, remarquez, ça c'est le réseau principal par classe. Et ça, normalement, ce sont des, on va dire, des sous-réseaux. Imaginez /24. Donc, si vous venez dans ce routeur et mettez network 10.0.0, c'est-à-dire ce routeur, là où il y a une interface dont l'adresse IP appartient à ce réseau, le protocole de routage RIP sera activé. D'ailleurs, n'importe quel protocole, ça c'est network, c'est général pour tous les protocoles. Et le protocole que vous avez activé, il sera activé sur ces interfaces. Si vous avez une interface 192.168.2.1/24, et vous avez mis seulement network, c'est-à-dire le protocole ne sera pas activé dans cette interface. Donc, la commande network, la première fonction, il va définir sur quelle interface de ce routeur le protocole sera activé. Deuxième fonction, on va dire définie aussi. Quel réseau sera inclus dans le processus de routage? Nous avons les informations de routage. Donc, ce réseau, le routeur aussi, il va le prendre et le mettre dans une mise à jour de routage, il va l'envoyer au voisin. Donc, network
La commande network est très importante une fois que vous voulez configurer le protocole de routage. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va chercher quelles sont les adresses IP appartenant à ce réseau dans le network. Et le réseau que vous avez mis après le network, il sera envoyé dans les mises à jour de routage aux voisins. D'accord? Donc la même chose, nous, moi je suis ici. Moi je suis dans R1. R1, je veux normalement activer le RIP dans ces interfaces. Hein, imaginez les loopbacks aussi, ce sont des interfaces. Normalement, ce sont des interfaces virtuelles, mais je disais, mais imaginez que ce sont des interfaces physiques. Maintenant, dans Network, je vais vous donner une astuce pour ne pas se perdre dans Network. Donc, avant d'exécuter Network, essayez d'afficher les réseaux directement connectés. C'est-à-dire, dans Network, on doit avoir les réseaux directement. Il y a la commande Network qui sera configurée pour les réseaux directement connectés. Donc, l'astuce, c'est quoi? Pour ne pas se perdre par la suite. D'ailleurs, c'est général pour tous les protocoles de routage. Une fois que vous activez l'instance du protocole de routage, mettez un do show IP route connected. Cette commande, il permet d'afficher seulement les routes directement connectées. Et parfois, vous avez des protocoles où là, vous avez plusieurs entrées statiques et tout ça. Quand vous mettez un do show IP route, il va vous afficher plusieurs entrées. Là, moi, je veux filtrer. Je veux seulement, parce que ce qui me concerne maintenant, ce sont les réseaux qui sont directement connectés, parce que je veux ces réseaux pour les mettre dans la commande network. D'ailleurs, la commande network, il sera pour chaque réseau. C'est-à-dire, si vous avez 4 réseaux directement connectés, vous devez avoir 4 commandes network, chaque réseau par commande. Remarquez, donc il me dit... J'ai rien configuré, c'est-à-dire maintenant vous mettez ici do show IP route ou la do show IP route connected, c'est la même entrée. J'ai remarqué combien de réseaux directement connectés. Essayez d'identifier. Donc j'ai 172.16.0.0, j'ai le deuxième 16.1.0, le troisième 172.16.2.0 et le quatrième 192.168. Donc là, vous voyez un C ici, à côté. Notez ce réseau. Et mettez-le avant la commande, après la commande network. Et là, il y a une particularité pour le RIP. Donc le RIP, donc après la commande. Après la commande network, mettez un réseau par classe. C'est-à-dire un réseau principal. Maintenant, pour le premier réseau, j'ai ça. Ça, normalement, hein, oubliez le masque. Ça. 172.16.0.0. Normalement, c'est un réseau par classe. Le vrai réseau, c'est 172.16.0.0. La classe, en général, c'est /16. C'est-à-dire les deux premiers 172.16.0.0/16. C'est-à-dire les deux premiers octets, ils sont réservés pour la partie réseau et les deux autres pour la partie machine. Donc le masque par défaut, c'est 255.255.0.0. C'est ça le réseau principal. Donc si vous configurez RIP, RIP ne comprend pas, ne prend pas en charge après network, c'est-à-dire un sous-réseau ou bien un super réseau. Donc, mettez seulement le réseau par classe.
Le deuxième réseau, 172.16.0, est-ce que ça c'est un réseau principal? Non. Parce qu'il y a ici un 1, il n'y a pas un réseau principal qui est, hein, si vous mettez slash 16, c'est-à-dire la partie réseau ici. Donc ça pour lui c'est une adresse machine. De même ici. Donc pour ces trois réseaux, normalement ce sont des sous-réseaux, ils seront vus, considérés comme 172.16.0.0. C'est-à-dire si vous mettez network 172.16.0.0, déjà ça c'est le réseau principal, c'est le réseau par classe, hein, la classe P. Et par défaut, si vous le mettez dans network, toutes ces adresses ou cette carte hein, virtuelle, cette carte loopback, le protocole sera activé. Non, c'est loopback. Pourquoi? Parce que toutes ces adresses, il appartient au réseau principal. Et j'ai un quatrième ici. 192.168.12.0. Donc ça, c'est déjà c'est la classe C, c'est-à-dire cette partie, c'est la partie réseau, c'est bon. Et le dernier, c'est la partie machine. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le réseau principal. C'est-à-dire pour moi, j'aurai seulement à mettre deux commandes network. Une commande network pour ce réseau et une commande network pour les trois réseaux. Donc sachez que dans RIP, après network, ne mettez pas des sous-réseaux, ne mettez pas des super-réseaux, mettez seulement des réseaux par classe, même si vous avez des sous-réseaux. Alors, des interfaces avec, maintenant pour moi, qu'est-ce que je vais mettre? Ici, donc je suis toujours dans mode router, c'est pour cela que pour exécuter, il vaut mieux mettre doux, chaud, pour ne pas sortir du mode. Je vais mettre la première commande network. Donc 172.16.0.0, c'est bon. Une deuxième network 192.168.12.0, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a dit pour network? Network, qu'est-ce qu'il permet de faire? La commande network, c'est-à-dire network, il a deux fonctions. C'est-à-dire j'ai mis network 172.16.0.0 dans le routeur R1. C'est-à-dire maintenant, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans R1 quelles sont les adresses, les cartes réseau qui ont des adresses IP appartenant à ce réseau principal. Il va trouver qu'il a trois interfaces loopback. C'est-à-dire automatiquement, il va activer RIP dans ces trois interfaces loopback. Deuxième fonction, il va prendre ce réseau, il va l'envoyer au voisin. D'accord? C'est-à-dire, maintenant, les interfaces, chaque interface, il a, c'est comme si on a RIP activé dans FAST 00. Loop back 0, loop back 1, loop back 2. RIP maintenant, il est avec cette commande, il est activé sur. Donc cette commande, là, j'ai pris les deux. Prenons une par une. Cette commande, la première commande, network 172. C'est comme si vous allez dire à votre routeur R1, je veux activer le protocole RIP dans loop back 0, loop back 1, loop back 2. Et deuxième fonction, c'est que à chaque fois maintenant, pour chaque interface, il va prendre le réseau de l'adresse IP et il va l'envoyer au voisin. Donc deux fonctions. La deuxième commande, network 192.168.12, c'est comme si vous allez dire à R1, je veux activer le protocole RIP, mais maintenant dans FAST 00.
Pourquoi? Parce que phase 00, c'est elle qui a l'adresse IP appartenant à ce réseau. Et en même temps, il va lui dire avec network, prends le réseau de cette adresse IP et envoie-le au voisin. C'est ça ce que je veux, c'est que maintenant, ces réseaux, plus ce réseau, il sera envoyé au voisin. Le voisin, normalement, il n'a rien à faire avec ce réseau, puisque lui aussi, il est directement connecté, mais il a besoin de ces trois, puisqu'ils sont considérés comme des réseaux distants pour R2. Donc, il va les recevoir maintenant dynamiquement, et ni automatiquement, et dynamiquement. Une fois dynamiquement, c'est-à-dire une fois un réseau il change, il sera aussi averti de ce changement. Il n'est donc dynamique, il y a automatique plus dynamique, c'est-à-dire plus s'il y a changement, le changement il sera actualisé aussi. C'est bon, donc le premier routeur, on a fini la configuration pour le protocole RIP. Je vais passer au deuxième, la même chose. R2, pour activer l'instance RIP, c'est router RIP, c'est la même chose. Donc, do show IP route connected. Voilà, celui-là, il a seulement deux réseaux directement connectés. Je dois les noter. Hein. Donc, il y a 192, 168, 12, 0. Et il a 192, 168, 23, 0. Puisque la commande network dans RIP, il accepte les réseaux par classe. Remarquez, déjà ça, c'est la classe. C'est par classe, il est classé. Donc on n'a rien à changer. Donc, je vais prendre les mêmes réseaux. Voilà. Et les mettre après network. Puisque il a 192, il appartient à la classe C. Et la classe C, c'est-à-dire les trois premiers octets, il identifie la partie réseau. Donc c'est bon. Donc je vais mettre network 192.168.12.0 et network 192.168.23.0. Avec cette commande, qu'est-ce que j'ai dit maintenant à R2? J'ai dit à R2, avec la première commande, network 192.168.12.0. À chaque fois que tu vois une interface réseau, une carte réseau, dont l'adresse IP appartient à ce réseau, active RIP dedans. Et prends l'adresse réseau de cette adresse IP et l'envoie dans la mise à jour. C'est-à-dire maintenant, lui, il va activer RIP ici, sans cette interface. Il va prendre le réseau de l'adresse IP, normalement le réseau de l'adresse IP c'est celui-là, par principal, il va l'envoyer. Deuxième commande, la même chose. Je lui ai dit, à chaque fois que tu trouves une interface réseau dont l'adresse IP appartient à ce réseau, envoie, active RIP, c'est-à-dire il va activer maintenant RIP dans la deuxième interface, ici. Il va prendre l'adresse IP de cette interface et il va l'envoyer au voisin. C'est-à-dire, lui, il a deux voisins. Il va envoyer l'information, il va aussi l'envoyer l'information ici. C'est bon. Donc ça, aussi, pour R2, c'est fait. Donc vous voyez que il suffit d'afficher les réseaux directement connectés. Essayez de voir, est-ce que les réseaux directement connectés, ils sont des réseaux principaux, hein, c'est-à-dire par classe. S'ils ne sont pas des réseaux principaux, essayez de les rendre réseaux principaux. Par exemple, si vous avez des sous-réseaux, essayez de revenir le réseau par classe. Donc j'ai dit, maintenant pour R2, c'est bon, on a fini, je dois passer à R3. C'est-à-dire maintenant les trois routeurs, ils doivent participer au même domaine de routage, avec le même protocole de routage qui est maintenant RIP. De même, je dois activer router RIP. Et avant de mettre la commande network, undo show IP route connected. Voilà, celui-là aussi, il me dit, il a quatre réseaux directement connectés. Donc,
Voilà, donc le premier réseau directement connecté, le deuxième, troisième, quatrième. Donc on va voir, est-ce que les réseaux, ils respectent la notion de réseau principal. Par exemple, si je prends le premier, donc 10, 0, 0, 0, c'est bon. Il respecte le réseau principal. Normalement, c'est classe A. Classe A, on a dit, le premier octet, c'est pour la partie réseau, les trois autres, c'est pour la partie machine. Et le masque par défaut, c'est 255.0.0.0/8. C'est bon. Maintenant, le deuxième. Est-ce que 10, 0, 1, 0, c'est un réseau? Voilà, le réseau, c'est slash 24. Est-ce que, maintenant, déjà, c'est la partie réseau et ça, c'est la partie machine, puisque c'est slash 24. Est-ce que ça, c'est un réseau classe A? Non. Donc, pour moi, je dois le rendre sous format classe A. Pour moi, classe A, la partie réseau, c'est le premier octet, et la suite, c'est machine. Donc, rendez la partie machine tout à zéro. C'est-à-dire, pour moi, ce réseau, je dois le rendre 10, 0, 0, 0 aussi. Troisième, celui-là. Est-ce que 10, 0, 2, 0, slash 24, ça se voit déjà, cette partie, c'est la partie réseau et cette partie machine. Donc, la même chose, non. Je dois le rendre 10, 0, 0, 0. Remarquez, les trois, ils respectent le même format. Donc, j'aurai seulement une seule commande network et pas trois. Là, ils sont inclus dans le même réseau principal. Donc j'aurai network 10, 0, 0, 0 pour ces trois premiers réseaux directeurs. Il me reste un autre. 192, 168, 23, 0, slash 24. C'est-à-dire cette partie, c'est la partie réseau, et cette partie, c'est la partie machine. Donc, ils respectent le réseau classé, puisque 192, c'est classé. Donc, c'est bon, je vais le prendre. Je ne vais rien changer ici. Donc, j'aurai deux commandes network aussi ici. Donc, la première network net. Work 10 0 0 et la deuxième, commencez par ce que vous voulez, ou bien network 192.168.23.0 en premier et en deuxième network 10 0 0 0, ou bien l'inverse, ce que vous voulez. De toute façon, les réseaux directement connectés, ils doivent être mentionnés dans network. Network 192, 168, 23, 0. C'est bon. Donc on a fini aussi, remarquez, presque trois commandes pour configurer sur chaque routeur le protocole RIP. Maintenant, nous allons voir, qu'est-ce que ça a donné à la configuration. Si je vais dans R1, si je mets un show IP route, donc je vais agrandir. Remarquez déjà, j'ai des informations qui sont ajoutées avec le code R. Code R, dans les codes ici, c'est quoi? Tout simplement, c'est RIP. C'est-à-dire c'est un réseau qui a été informé par le protocole RIP. Et remarquez, je suis dans R1, 10.0.0, c'est un réseau distant. Et c'est le protocole RIP qui m'a informé qu'il y a un réseau distant, 10.0.0. De même, il m'a dit qu'il y a un autre réseau, 192.168.3. Donc si on revient là, je suis là. Les réseaux distants pour R1. Je suis ici, R1. Les réseaux distants pour lui, c'est ça. Et le réseau aussi distant, c'est celui-là. Voilà.
Et ici aussi, c'est. Et ici, c'est le réseau. Donc 10/8. Et ni la même chose, il existe. Comment ces réseaux ils sont arrivés à R1, donc R3 a envoyé dans la mise à jour de routage à R2 ce réseau. R2, qu'est-ce qu'il a fait? R2, il a déjà le réseau 192 sont directement connectés, plus les réseaux qu'il a reçus de R3, il a envoyé tout à R1. Comme ça, R1, il a maintenant une information de routage venant de R2 qui est 192.168.23.0.24 et une information de routage venue aussi de R2, mais R2 lui-même il l'a reçu de R3 qui est le réseau 10. D'accord? Et lui il a les réseaux directement connectés, ils sont restés inchangés, donc pas de problème. De même, si je vais maintenant de R2, je vais afficher la table de routage. Show IP route. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les routes qui ont été annoncées par le protocole RIP. Pour filtrer, je vais mettre ici RIP, c'est-à-dire show IP route RIP. Affiche-moi seulement les entrées RIP. Voilà, il me dit aussi, il y a deux. Maintenant, je suis dans R2. R2, quelles sont les routes distantes par rapport à R2? C'est les réseaux 10 et les réseaux 172. Voilà. 10, 172. Pour R3, show IP route RIP. R3, quels sont les réseaux distants pour lui? C'est 172C, c'est-à-dire ces réseaux qui sont liés à R1, et 192.168.12, le réseau qui est entre R2 et R1. Donc vous remarquez, c'est d'une manière maintenant, tous les réseaux distants, ils seront informés et annoncés via le protocole de routage. Et on a évité à saisir, à entrer manuellement, ces réseaux, surtout si vous avez une grande topologie avec un nombre élevé de routeurs, un nombre élevé de réseaux distants. C'est très fastidieux. Et aussi dans l'administration et la gestion, s'il y a des changements, des modifications, c'est vraiment un casse-tête. Mais ici, vous configurez seulement le protocole de routage et lui, il va s'en charger pour envoyer des mises à jour de routage aux voisins. Mais bien sûr, vous devez bien configurer le protocole de routage. Et là maintenant, remarquez pour R3, je suis dans R3. Remarquez cette information. Entre crochets, il a mis 120/2. 120, c'est le DA, la distance administrative de RIP. Donc RIP, il a la distance administrative 120. Et 2, c'est la métrique. Donc, si vous vous rappelez, on a dit la métrique pour RIP, c'est le nombre de sous. C'est-à-dire pour lui, le chemin qui a le moins de routeurs, hein, entre lui et la destination, s'il trouve un chemin qui a moins de sous, c'est-à-dire moins de routeurs, pour lui, c'est la meilleure route. Métrique pour le RIP, c'est le nombre de sauts. Donc je suis dans R3. R3, pour qu'il arrive au réseau 172. Donc il va faire le premier saut, le deuxième saut. Pour atteindre, maintenant toujours dans R3, pour atteindre 192.168.12, ce réseau, il va mettre seulement un saut. C'est-à-dire, combien de routeurs me séparent entre moi et le réseau de destination. D'accord ? Ici, c'est un saut. Mais ici, c'est deux sauts. Le premier saut, le deuxième saut.
Il y a une autre commande qui est très importante, c'est Show IP Protocols. Donc à chaque fois que vous configurez un protocole de routage, essayez d'afficher cette commande. Donc Show IP Protocols. Donc il me dit ici le protocole de routage qui est activé, c'est le RIP. Déjà, il me voit donc ici dans la consultation, dans la vérification, je peux voir quel est le protocole de routage qui est son instance, il est active. Il y a des informations concernant ce protocole. Remarquez ici, on a Send an update every 30 secondes. Donc, si vous vous rappelez, on a dit le RIP, il envoie chaque, il est trop bavard, il envoie chaque 30 secondes les mises à jour de routage. Voilà. Et l'on voit la totalité, c'est-à-dire, la table de routage intégrale. Il va envoyer cette mise à jour de routage. Next due in 20, la prochaine. Pour lui, il a déjà envoyé une mise à jour, il attend 21 secondes pour envoyer la deuxième. C'est-à-dire, la deuxième mise à jour, il sera dans 21 secondes. Ici, j'ai des intervalles. Remarquez, j'ai invalid after 180 secondes. J'ai le hold down 180. J'ai flashed after 140. Donc, tout simplement, les intervalles, ce qu'on appelle les timers, les minuteurs. Les minuteurs RIP. RIP timers. Donc elle dit le minuteur de mise à jour. Mise à jour de routage, bien sûr. Le minuteur, c'est chaque 30 secondes. On a dit la fréquence d'envoi de mise à jour, c'est 30 secondes. Et là, c'est normalement c'est le temps entre deux mises à jour successives. D'accord, donc une mise à jour, donc, il va l'envoyer à un instant T, il va attendre 30 secondes pour envoyer la deuxième. Il va attendre 30 secondes pour envoyer la troisième, ainsi de suite. La fréquence d'envoi de mise à jour, c'est 30 secondes, chaque 30 secondes. J'ai le deuxième minuteur. Minuteur invalid after. Là, c'est un minuteur de 180 secondes. Normalement, c'est le temps d'attente d'une mise à jour de routage de la part de son voisin. D'accord, c'est-à-dire en tant que routeur, je vais attendre de mon voisin à ce qu'il m'envoie les informations de routage, les mises à jour de routage. Normalement, c'est chaque 30 secondes. Mais imaginez qu'il y a un problème de connexion, je ne vais pas dire si je ne reçois pas de mon voisin durant 30 secondes une route, je vais la supprimer. Non, il va attendre un temps. Presque 6 fois le. Donc vous avez deux routeurs RIP, un routeur RIP,
Celui-là, il a envoyé une mise à jour de routage, c'est-à-dire 30 secondes. Il va attendre 30 secondes pour envoyer la deuxième. Imaginez, il y a un dysfonctionnement dans cette carte, la mise à jour n'a pas été envoyée. Ce routeur, il ne va pas directement, si je ne reçois pas dans 30 secondes les informations de mon voisin, je vais le considérer comme étant hors ligne. Non. Il va attendre 180 tours. 180 secondes. C'est-à-dire, deuxième 30 secondes, il n'a pas envoyé, c'est pas grave. Troisième, il n'a pas envoyé, c'est pas grave. Il nie 30 fois 6. Il va attendre 6 autres intervalles, c'est-à-dire vide, il n'y a rien. On va remarquer que c'est déjà c'est pour RIP, on va dire c'est très long. Comme on s'aperçoit que RIP il va converger d'une manière beaucoup très longue par rapport aux autres protocoles de routage. Donc en gros dans cet intervalle, donc le routeur voisin est marqué après, invalid after, c'est-à-dire après. Si durant 180 secondes j'ai rien reçu de mon voisin, normalement je vais le marquer comme étant inaccessible. À ce moment-là, je peux dire que mon voisin, puisqu'il n'a pas donné signe de vie pendant 180 secondes, je peux le considérer comme étant hors ligne. Après, j'ai le troisième minuteur, c'est le minuteur flashed after. Par défaut, c'est 240 secondes. Et ça, normalement, c'est le temps avant que la route invalide ne soit supprimée de la table de routage. Donc flash, c'est comme s'il va le purger, c'est comme s'il va nettoyer maintenant la table de routage. Donc une entrée qui n'a pas été mise à jour pendant 240 secondes, à ce moment-là, il sera supprimé de la table de routage. Remarquez, 240 secondes, alors c'est pas rien. C'est pour cela vraiment une route dont la table de routage RIP ne sera supprimée que si 240 secondes et sera écoulé à partir de la première réception de la mise à jour, c'est-à-dire 240 à partir de la première réception de la mise à jour. Donc il y a aussi l'intervalle ou le minuteur hold down 180 aussi, 180 secondes. Et là, normalement, ça c'est le rôle de hold down, c'est un rôle de, on va dire, de gestion. Tout simplement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stabiliser les informations de routage pour prévenir contre les boucles de routage. Maintenant, vous avez deux routeurs voisins RIP. Ils vont s'envoyer des mises à jour de routage. Mais au changement, donc tant qu'il y a un changement dans la topologie, RIP, qu'est-ce qu'il va faire? RIP, il a une fonction. Il va mettre hold down. C'est comme si vous allez maintenir enfoncé un bouton. Il va mettre sa table de routage en pause. Pourquoi? Tout simplement pour qu'il travaille et il recrée la table de routage sans qu'il y ait d'autres interventions pour prévenir contre ce qu'on appelle les boucles de routage.
Parce que s'il y a des boucles de routage, c'est-à-dire lui, il crée la table, il reçoit en même temps des informations de routage, il sera perturbé et parfois, il se peut que la table de routage soit erronée. Donc c'est pour cela qu'il a une fonctionnalité, c'est qu'une fois, c'est-à-dire le RIP il est en train de recréer sa table de routage, il ne va accepter aucune mise à jour de routage. Jusqu'à ce qu'il finisse, à ce qu'il crée sa table de routage, et par la suite, il peut accepter les mises à jour. Donc tout simplement ça, c'est pour une gestion intégrée dans RIP, on va dire, il stabilise les informations de routage et aide à prévenir les boucles de routage. Pendant les périodes où la topologie converge. Vers de nouvelles informations. Pour simplifier, imaginez-le comme si on nous dit il va mettre en pause, c'est-à-dire il ne va rien accepter, il va rejeter toutes les mises à jour reçues, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de recréer sa table de routage, et ça, il va aussi l'aider à prévenir contre les boucles de routage. Donc une boucle de routage, c'est un paquet qui va faire le va-et-vient entre deux routeurs. Donc, imaginez, vous avez deux routeurs, moi je t'envoie le paquet et toi tu me le renvoies. C'est-à-dire que ça va rester donc un temps, le TTL, jusqu'à ce que le TTL de paquet revienne à zéro. On va y revenir par la suite pour expliquer les boucles de routage. Donc, si on peut simplifier ce que j'ai expliqué maintenant, donc un petit schéma. Je vais mettre ici des intervalles. Donc, je vais commencer par l'intervalle T égale à 0. Et quand j'ai 0, bien sûr, 0 seconde. Quand t il est égal à 30 secondes, alors, il y aura une mise à jour. Mise à jour de courage. Normalement, la première fois, quand vous configurez les routeurs, automatiquement le routeur, une fois les paramètres avec network, la commande network, il est configuré, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'envoyer au voisin. C'est-à-dire, il ne va pas attendre 30 secondes. Donc le premier envoi, la première mise à jour, c'est immédiate. Mais par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre 30 secondes. Maintenant, vous voyez, on veut dire, c'est que déjà il a reçu une mise à jour, la première mise à jour, qui est immédiate, et il va attendre 30 secondes pour lancer la deuxième. Alors, même s'il n'y a pas de changement, c'est-à-dire ça, c'est ça, parmi les inconvénients de RIP. RIP, qu'est-ce qu'il fait? Chaque 30 secondes, il va envoyer la totalité, et pas seulement les changements, la totalité des informations de routage au voisin chaque 30 secondes. Ici, maintenant, 30 secondes. Ici, j'ai un deuxième intervalle qui est 180 secondes. Donc T maintenant égale 180 secondes. D'accord? Qu'est-ce qui arrive donc T égale 180? C'est ici. On a dit c'est le temps que va attendre le routeur de son voisin. C'est-à-dire il va patienter le temps 180. Pour ne pas dire que le routeur voisin, il est hors ligne.
chaque routeur, il va patienter. Elle a le routeur voisin 180 secondes avant de le déclarer comme inaccessible. Donc, after interval, c'est-à-dire après 180 secondes, qu'est-ce qu'il y aura? Il y en a qui ont une valeur, il va dire possibly down. Donc, l'entrée dans la table de routage, il va être déclaré comme il est désactivé ou possiblement désactivé, possibly down. Il va la marquer. Donc j'ai attendu, un routeur, il a attendu 180 secondes, il n'a pas reçu de mise à jour de son voisin. Qu'est-ce qu'il va faire? La route qui était annoncée par son voisin, il va mettre à côté possible down. C'est-à-dire possible qu'il sera down. Et quand est-ce qu'il va la supprimer? Jusqu'à t égale 240 secondes. À ce moment-là, after, après, il sera flashed. Flashed, c'est-à-dire nettoyer, supprimer de la table. C'est ça les intervalles. D'accord? Donc, avec le hold time, ou le hold down n'est pas ici, mais on a dit le hold down, c'est tout simplement pour une gestion. C'est une gestion intégrée vue. Donc, une fois le routeur il est en train de, on va dire, de rebâtir sa table de routage, il ne va pas accepter des mises à jour pendant 180 secondes. C'est-à-dire qu'il va mettre une pause de 180 secondes avant de, est-ce qu'il accepte par la suite les mises à jour de son voisin. Mais les intervalles qui seront utilisés pour des routes, c'est ça, dans les tables de routage. D'accord, donc l'intervalle de mise à jour, l'intervalle, on va dire, valide after, ou l'intervalle flashed after. Voilà, comme vous pouvez remarquer ici, voilà, donc les intervalles send in update every, chaque 30 secondes il va envoyer une mise à jour. On a dit ici, il déclare aussi quand est-ce qu'il va envoyer la deuxième mise à jour. Invalid after 180, hold down, donc c'est pour la gestion, flashed after 180. Default version, donc dans RIP, il y a, on a dit RIP version 1, RIP version 2. D'accord, c'est ça. Donc vous avez ici default version control, il me dit, il envoie la version 1, et reçoit n'importe quelle version. Remarquez ici, toutes les interfaces maintenant sur lesquelles RIP ils sont activés, c'est une commande très importante. Essayez de, pour parfois il va vous afficher à partir de cette commande, vous pouvez voir quel est votre problème. Donc il faut voir ici toutes les interfaces là où on remarque la commande network. Quand on a dit la commande network, j'ai dit la commande network, il va voir quelles sont les cartes réseau, les adresses IP des cartes réseau qui appartiennent le réseau dans le network. Remarquez, les cartes, les quatre cartes, elles sont activées pour le RIP. C'est bon, pour moi c'est juste. Sauf qu'il me dit ici, ces cartes, puisque le RIP il est activé sur ces cartes, ces cartes ils peuvent envoyer, send, envoyer la version 1 et peuvent recevoir 1 et 2. C'est comme si vous avez votre routeur comme ça. Il vous dit ce R1 avec R2. R1, il va envoyer la version 1, mais il peut recevoir la version 1 et la version 2. Donc ça, on l'appelle new version. Il n'y a pas de version encore. Donc par défaut, dans les routeurs RIP, il n'y a pas de version. Si vous voulez travailler avec RIP version 1, vous devez le mentionner. Si vous voulez travailler avec RIP version 2, vous pouvez le mentionner. Donc, quand vous voyez, il envoie la version 1, c'est-à-dire que c'est comme si il comprend RIP version 1, mais la réception, il peut accepter l'autre routeur qui soit version RIP version 1 ou bien RIP version 2.
Donc ça, on l'appelle nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de version. C'est normalement, RIP version, la version 1 et la version 2 ne sont pas compatibles. C'est-à-dire si vous mettez ici dans R1 la version 1 et dans R2 la version 2, ils ne peuvent pas communiquer. Et ici ils ne communiquent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les routes distantes, ils ne seront pas avancés par le routeur. C'est-à-dire que toutefois, tout simplement, la connectivité ne marche pas avec les routes distantes. Donc je n'aurai pas des informations de routage envoyées par le protocole RIP. Donc pour que la topologie fonctionne, vous devez avoir les deux versions, les deux protocoles. Donc version 1, version 1, version 2, version 2. D'accord. Automatic network summarization is in effect. In effect, c'est-à-dire il est en effet. C'est-à-dire là, il y a un principe aussi, ce qu'on appelle le résumé automatique. Le résumé automatique, voilà. Donc automatic summarization, donc le résumé automatique. Par défaut, il est activé. Par défaut, activé dans RIP. Is in effect. Si vous voyez is in effect, c'est-à-dire activé. Ah, parfois, on peut vous donner des sorties comme ça et on peut vous demander des questions. Est-ce que le résumé automatique, est-ce qu'il est activé? Donc, si vous voyez in effect, c'est-à-dire il est activé. Si vous voyez is not in effect, c'est-à-dire il n'est pas activé. Donc, par défaut, il est activé. On peut le désactiver, mais on peut le désactiver seulement dans RIP version 2. RIP version 1. On ne peut pas désactiver le résumé automatique. Même si, si vous faites le test, vous allez voir que la commande, il est accepté, la commande pour désactiver le résumé automatique, mais il ne prend pas effet. Mais pour RIP version 2, on peut le désactiver. Maximum pas pour l'équilibrage de charge. C'est-à-dire dans RIP, maximum par défaut, c'est 4 chemins. C'est-à-dire si vous avez un routeur et pour une destination, un réseau de destination, je ne sais pas. Donc ça c'est R1. Donc il peut passer par ça. Ça c'est un routeur et ça c'est le réseau LAN destination. C'est-à-dire ce routeur maintenant, il a trois chemins pour accéder, pardon, quatre chemins pour accéder. Il a le premier chemin, il a le deuxième, il a le troisième, il a le quatrième. Donc si les métriques sont égales, c'est-à-dire le nombre de sauts, hein, on va mettre 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est-à-dire les métriques sont égales. Donc par défaut, il va faire un équilibrage de charge. C'est-à-dire quand il y a un paquet qui sera envoyé à 20, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le premier ici, le deuxième ici, le troisième ici, le quatrième. Donc considérant que l'équilibrage de charge, c'est par paquet. Donc si vous avez un cinquième routeur ici, la même chose, par défaut, il ne va pas faire l'équilibrage de charge sur le cinquième. Pourquoi? Parce que par défaut, le maximum de chemin, l'équilibrage de charge à coût égal, c'est 4. Mais c'est paramétrable. Si vous avez cette configuration, vous pouvez augmenter le maximum, le rendre 5 par exemple. Je vois un 4, c'est suffisant pour les topologies RIP. Déjà, topologie RIP, on ne peut pas avoir plus de 15 routeurs dans la topologie. D'accord. Bref, donc le maximum passe, c'est tout simplement les chemins, l'équilibrage de charge. Routing for network, voilà les réseaux dans le domaine de routage. C'est ce que vous avez mis dans le network. C'est pour ça que j'ai dit c'est très important cette commande, et c'est de vous rappeler. Et là, à la partie, il vous montre
quels sont les réseaux que vous avez dans la commande network. Donc j'ai mis deux commandes network, une avec ce réseau et une autre. Donc si parfois vous oubliez un réseau dans le network, vous mettez ça, vous voyez cette partie, vous allez vous trouver qu'il manque un réseau, vous pouvez revenir pour le configurer. Donc ici c'est les réseaux que vous avez entrés après la commande network, et ici ce sont les interfaces qui respectent les uniques, qui ont des adresses IP appartenant à ces réseaux. Comme j'ai dit, network, il a deux fonctions. Activer sur les interfaces qui ont des adresses IP appartenant au réseau network et envoyer maintenant des réseaux à la deuxième fonction, routing for network, c'est-à-dire ce routeur, il va envoyer 10.0.0 et 192 au voisin. Ça, c'est ce qu'il va faire dans la mise à jour, et ça, ce sont les interfaces là où RIP sera activé. Voilà, routing information source. Donc jusqu'à présent, il a un seul voisin. On peut voir gateway pour lui. Donc je suis dans R3. Gateway pour lui, c'est R2. Hein, remarquez. Ça se voit maintenant pourquoi je vous ai dit il vaut mieux adresser ou mettre un adressage qui est cohérent, comme ça, à partir de l'adresse, je peux savoir de quel routeur il s'agit. Donc 192.168.23, c'est-à-dire c'est le lien entre R2 et R3, et R2, il s'agit de R2. Je suis dans R3, il me dit que le voisin, mon voisin, c'est R2. C'est-à-dire, de ce voisin, je vais envoyer la mise à jour, je vais recevoir aussi la mise à jour. Voilà, et la distance administrative par défaut, c'est 180. C'est-à-dire maintenant, à chaque fois que je reçois de mon voisin, de ce voisin, à chaque fois que je reçois de ce voisin une mise à jour, je vais appliquer 120. Donc dans les mises à jour, les distances administratives ne sont pas envoyées dans les mises à jour. C'est-à-dire quand je veux envoyer une mise à jour de routage, je ne vais pas mettre la distance administrative. Qui va la mettre? C'est le routeur qui reçoit la mise à jour. C'est lui qui va mettre. Donc, par exemple, pour ce routeur R3, il sait que maintenant le routeur R2 c'est un routeur RIP. Et déjà il a reçu une mise à jour. Et quand je sais que mon voisin c'est un routeur RIP, c'est-à-dire je sais qu'une fois que je reçois une information de routage de ce voisin, je vais mettre 120. C'est pour cela que dans la table de routage, vous allez dans la route là que j'ai reçue à partir de RIP. Il y a 120 et il y a ici la métrique. Donc c'est le routeur récepteur qui met 120. Et bien sûr, et lui aussi, c'est lui qui met la métrique. Donc je reçois métrique égale à 1, je vais incrémenter la métrique pour la rendre 2. Enfin, je crois qu'on a déjà expliqué la partie théorique. Et là maintenant, on va voir réellement dans cette partie pratique. Voilà, donc si je mets la même commande, je vais la faire dans R2, donc show IP protocols. Voilà, donc remarquez, c'est les mêmes informations. Là, vous serez capable maintenant de lire ces sorties. C'est le RIP, et les mêmes intervalles, parce qu'il s'agit de RIP, on n'a rien changé. Sauf que maintenant, le RIP il sera activé sur FAST 00, FAST 01. Je suis dans R2. Déjà dans R2, j'ai mis deux networks, donc commande network. J'ai mis network 192.168.12.0 et j'ai mis le network 192.168.12.0 puisqu'il a deux réseaux directement connectés. C'est-à-dire maintenant, ces réseaux, il va les envoyer dans les mises à jour de routage et il va les envoyer à partir de, c'est-à-dire RIP, il sera activé sur. Quand je dis RIP, elle est activée sur une interface, c'est-à-dire cette interface, il peut envoyer et recevoir des informations de routage RIP. Donc vous avez R2, il a une interface phase 01 et il a une interface phase 00.
Le RIP, il est activé sur ces deux interfaces, c'est-à-dire je peux envoyer des mises à jour à partir de ces interfaces et je peux aussi recevoir de mon voisin des mises à jour dans ces interfaces, c'est ça. Qu'est-ce que je vais envoyer dans mes mises à jour au voisin? Je vais envoyer ces réseaux. Donc vous voyez maintenant l'intérêt de la commande network. Il a deux fonctions, c'est ça. C'est ça les deux fonctions. Donc, la première fonction, la deuxième fonction. Et de même, dans R1, donc un show IP protocols, voilà. De même, on a marqué ici, toujours c'est le RIP qui est activé avec les mêmes intervalles, sans problème. Les interfaces sur lesquelles RIP sera activé, puisque R1 il a trois interfaces loopback et une interface physique, remarquez. Et quels sont les réseaux qui seront mis dans, inclus dans les mises à jour de routage? 172.16, remarquez. 192.160, puisque c'est les deux réseaux que j'ai mis dans la commande network. Le reste c'est la même chose. Donc la dernière mise à jour, je l'ai reçue. Il y avait maintenant 5 secondes. Et de mon voisin, donc le voisin de R1, c'est R2. Voilà, donc R1, il a comme voisin R2. Et aussi R2, il a deux voisins. R3, il a aussi un seul voisin. Donc on a remarqué, si je vais dans la table de routage de R2, IP route, remarquez ce qu'il a reçu. Donc, il a reçu une mise à jour de routage. Il l'a reçu de Fast 1.0, c'est ça. C'est-à-dire il a reçu la première mise à jour, il a reçu 10.0.0/8 de ce routeur. Et il a reçu 172.16.0.0/16. Il l'a reçu de cette interface, c'est-à-dire il a été envoyé par R1. La même chose, donc l'interface avec laquelle j'ai reçu la mise à jour, c'est la même interface avec laquelle je peux atteindre ce réseau. Maintenant, pour lire aussi cette information, je peux dire R2, il va dire pour atteindre le réseau 10.0.0/8, je vais faire un seul saut, je vais via, c'est-à-dire à travers, via 192.168.23.23, hein, pour atteindre ces réseaux. On va dire, je dois envoyer le paquet à ce routeur. Et pour atteindre ce routeur, je dois sortir le paquet de mon interface Fast 1.0. C'est-à-dire l'interface avec laquelle j'ai reçu la mise à jour de mon voisin, il va me servir aussi pour atteindre ce voisin. C'est logique. De même ici, il va dire pour atteindre R2, pour atteindre le réseau 172.16.0.0, c'est-à-dire le réseau permis, je dois envoyer, donc déjà c'est un saut, c'est-à-dire il me sépare un seul routeur de ces réseaux distants. Je vais envoyer le paquet au tronçon suivant, donc VIA, vous vous rappelez VIA, c'est-à-dire quel est le routeur suivant. C'est 192, c'est cette interface 192.168.12.1. Ici c'est je vais l'atteindre, c'est-à-dire sortir le paquet par quelle interface, hein, qui est intégrée à moi. Je suis R2, c'est cette interface. Donc j'ai reçu de R1 la mise à jour de cette interface, c'est-à-dire cette interface c'est elle qui va me permettre pour atteindre ce routeur. Ici tout simplement c'est l'eurodatage, c'est-à-dire à quel moment j'ai reçu cette
cette mise à jour de routage de mon voisin. Donc si je réagis à chaque fois que je mets ça, remarquez, ça change le routage. Remarquez, pardon, par exemple pour ici. Les horodatages. Donc si je remarquez, tiens, c'est 6 secondes 27 pour l'autre, 11, normalement que ce, vous remarquez, à de l'intervalle en général, normalement dans les meilleures conditions, il ne doit pas dépasser 30 secondes. Pourquoi? Parce que normalement chaque 30 secondes je dois recevoir de mon voisin le la mise à jour, puisque la fréquence d'envoi de mise à jour est 30 secondes. D'accord. Mais, comme j'ai dit, on va faire un test. Je vais faire semblant que la route, il n'est plus fonctionnelle. Par exemple, je ne sais pas, loopback, la route de 172.16.0. Ou bien la. Donc, dans R2, je suis dans R2, donc je vais désactiver le fast 00. Comme ça, il n'y aura pas d'envoi de mise à jour. Donc, dans R1, interface fast 00, je vais mettre un shutdown. Et on va revenir à R2 pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Remarquez l'intervalle. Cet intervalle 0,22, remarquez, parce que c'est lui, c'est R1, c'est lui qui m'a envoyé 172. Remarquez, il a dépassé 30. C'est-à-dire maintenant je suis R2, je ne reçois pas de mon voisin la mise à jour. Donc, normalement, mon voisin il doit chaque 30 secondes m'envoyer une mise à jour. Remarquez, ça passe maintenant à 50. Mais est-ce que j'ai supprimé la ligne? Non, pas encore. Remarquez, maintenant c'est 1 minute 43. Et la route, il est toujours là. Elle n'est pas supprimée. Hein. Là, pour vous dire la convergence. Rythme ne converge pas vite. Donc il attend les 180 secondes. 180 secondes, c'est 3 minutes. Pour déclarer le voisin possible dans non accessible, il est possible. Maintenant, il va se dire dans le système, il va se dire, on sait jamais, peut-être que R1 maintenant, il a un problème, il va m'envoyer maintenant une mise à jour. Maintenant, s'il m'envoie une mise à jour, je vais l'accepter et réinitialiser le compteur. Remarquez maintenant, il passe à 2 minutes 30 et la route, il est toujours là. La partie n'est plus maintenant, n'existe plus. Bon. 2 minutes 44. 2 minutes 48. 2 minutes 51. 2 minutes 57. 2 minutes 59. 3 minutes. Maintenant, il est rentré dans le. Remarquez, qu'est-ce qu'il a mis? Une fois qu'il passe 3 minutes, il se passe de l'état. C'est-à-dire maintenant, il est rentré à invalid after. Il est après le 180, c'est-à-dire après le minuteur invalid. Mais encore, il est toujours là. C'est-à-dire qu'il déclare comme inaccessible. Mais il n'a pas supprimé de sa table. Quand est-ce qu'il va supprimer? Jusqu'à ce que 240 secondes soient écoulées. C'est-à-dire après 4 minutes. Alors remarquez la lenteur de. Une fois on passe à d'autres protocoles de routage, vous allez voir qu'une fois il n'y a pas de présence. Réseau automatiquement, il y a un laps de temps qui est très 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 court, il sera supprimé de la table de routage.
Alors maintenant, à ce moment-là, il l'a supprimé. 172, il n'est plus maintenant. Remarquez combien de temps il a fait. Donc, c'est-à-dire, après la dernière mise à jour, donc il a compté 30 secondes, 180 secondes après 240, c'est-à-dire 240 du début. Pas 240 après les 180, non. 240 de la dernière mise à jour. Et il sera supprimé. D'accord.